j'espère qu'on va pouvoir faire un échange, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Faire bientôt 10 ans qu'on est là. Alors, l'histoire, elle va commencer par là. Eh ben, aussi. On est parti. Les pièces, elles vont être de plus ou moins grosses. Donc, on va avoir... C'est quoi les plus grosses pièces que vous faites? Faites pas. Alors, on va avoir des pièces qui sont d'une capacité plus grande, où là, on va être sur des presses là-bas de 1500 tonnes. Ah oui, c'est ça. À l'état liquide, arrive dans ce petit point-là. Et donc, c'est là qu'il va falloir une presse de 1200 tonnes pour pouvoir, de ce petit point-là, diffuser toute la matière. Ah oui, alors. C'est des forts investissements. Ça oui, ouais. Ça c'est la clé. Pour être plus clair, si vous voulez, on est sur une structure qui fait 1,20 m avec une longueur d'un mètre. On n'aurait pas nos volumes creux, il faudrait 300 litres de béton. Oui, c'est ça. 120 litres de béton au mètre linéaire, ça fait du gain à la manette. Quoi. Oui, c'est sûr. Et trouver, une fois qu'on vient les coller, je ne sais même pas si on peut parler de collage. Une fois qu'on a fait la conception de la pièce, qu'on a dessiné le moule, ok. Et c'est vrai que quand on parle de piscine tradite, on voit sa piscine avec des skimmers, des meurtrières, des refoulements. Donc, première démarche qualité, ça va être sur le bloc de filtration. Ça, bah, on arrive avec la nouvelle mise en place de la pompe à vitesse variable, où là, bah, on est sur une autre technologie. Responsabilité sociale entreprise, il y a une partie d'environnement, mais il y a aussi le social, la qualité de vie à l'entreprise. Quoi. Merci beaucoup pour l'accueil et pour la visite surtout.